Bonjour à tous et à toutes les Kaisers, les Kaiserines, et j'espère que la semaine dernière vous avez pris un joyeux Halloween avec moi. Je vous dis salut et bienvenue dans l'abattoir, là où on bouffe du chat. C'est très nutritif. Alors on va sortir de cet endroit. Regardez comment il marche. Vous avez déjà vu un gars marcher comme ça? Alors abattoir, école, si on y allait, missile, chaîne de télévision, le café d'Edna, station de police. Caserne des pompiers, immeuble du journal. J'ai envie de commencer par la caserne des pompiers. Vu qu'ils disent du mal de Sparky et tout. Alors, le camion pompier, on dirait qu'il est rose. Attends, des fleurs. Faut croire que les pompiers sont pas débordés. Il y a toujours le logo là de la ville qui est horrible. Excuse ce fatras, ils ont fait des merveilles avec la chambre du haut, mais ce garage défie l'harmonie des couleurs. le gars il se plaint que le garage soit pas très bien peint, soit pas bien peint. Alors, camion pompier d'un rose, d'accord, il était bien rose. Donc ça a foutre les pompiers. Alors dans ma famille, il y en a, ils sont pompiers ou d'autres policiers, gendarmes et tout, mais surtout pompiers. Et je pense qu'ils ont autre chose à foutre que faire de peindre des camions et des trucs comme ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils font à l'étage. Alors attends. On a un incendie. Clôture. Oh putain. Les piquets sont fraîchement repeints en blanc, se redressant bien droit comme les rangs des soldats tombés au champ d'honneur. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils peignent. Alors, c'est très bizarre la façon dont il marche. D'accord. Les pompiers passent leur temps à peindre des hommes nus. Non, mais c'est incroyable. De la bave coule des civiliennes babines. Ah, ne me dérange pas, je suis en train de dessiner. Oh, ah, ils sont oh, qu'est-ce que tu m'as fait faire? Oh, tu chamboules tout. Oh, tu chamboules tout. Paysage impressionnant. Un château de conte de fées. Un homme nu et bien équipé au clair de lune. Impossible d'accéder aux lampes, elles sont trop hautes. C'est la même chose. Un tableau d'objets phalliques disposés en rang. Une catastrophe imminente. Une catastrophe imminente. Je ne parle pas quand je travaille, Steve. Ah oui. Juste pour une fresque murale très réaliste représentant une bucolique. Ils ont que ça à faire, les pompiers, franchement. Non, ils ont pas que ça à faire. Ouais. Non, alors, après, c'est très bien de peindre. Ouais. Alors, en parlant là, de gars qui posent, je me souviens quand j'étais au collège, là, j'étais en 3e, j'avais 14 ans. Et c'était le dernier jour en cours d'art plastique et on avait fini le programme. Du coup, on faisait des dessins et tout. Et le professeur demandait, est-ce que quelqu'un veut poser? Il y a une fille qui est volontaire. Et là, elle se met devant tout le monde et tout, et dit, est-ce que je dois me mettre nu? Et du coup, le prof le dit quand même que non. Regardez là, le fond vert, il y a la lumière verte là sur le chien. Salut Steve, bienvenue à la Maison des Flammes, comme nous aimons l'appeler. Oh la ferme tâche, ça suffit. Une fois qu'il commence à aboyer, un bon gros bout de viande, c'est le seul moyen de le faire taire. Tiens, tâche. Alors Steve, je parie que tu te souviens pas de moi. J'ai entendu parler de ton court-circuit des neurones. Je suis le commandant Sparky, chef des pompiers. Ça c'est sûr qu'il est obsédé par les tuyaux d'arrosage. Comment savez-vous pour ma part de mémoire? Alors, comme ça... Alors. Allons, le sujet importe peu, c'est la manière qui compte. C'est vrai. Ne sois pas si rabat-joie, Steve. Nous parlons d'art, là. En plus, on n'a pas eu d'incendie à Arvas depuis celui de l'immeuble du quotidien. Bien que cela ne m'étonnerait pas s'il arrivait quelque chose à la maison de la femme guêpe. Pas vrai, Tash? Ah, ça tombe bien, on l'a tué. Alors, art. Moi, j'ai envie de... Art. L'art enrichit la communauté, Steve, comme une lance à incendie frémissante ou un pompier enfonçant une porte enflammée. Alors qu'importe si nous dessinons des hommes nus. Peu importe si tout ce que nous avons jamais dessiné, c'est un homme nu ou le même homme nu encore et encore dans toutes sortes de positions provocantes. Le contexte, pas le contenu. La manière, pas le sujet, voilà l'important. Ne sois pas si obtus, Steve, ce n'est pas digne de toi. Alors, on va parler... La femme guêpe, je suis curieux.
Les gens pensent que tout ce que nous faisons, c'est nous asseoir en rond en croquant des modèles de virilité pour notre amusement personnel. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Tiens, l'autre jour, nous avons verbalisé Ted Swackrumb pour violation des règles de sécurité. Tous ses papiers desséchés, ses nids de guêpes agglutinés autour de sa maison en bois, tout est fin prêt pour qu'une petite étincelle y mette le feu. Crois-moi, personne ne veut revoir un fiasco comme celui de l'incendie du Sentinelle. Tous ces papiers desséchés, c'est ni de... Bah encore un bug. Incendie du journal. Une affaire épouvantable. On ne croirait jamais qu'un immeuble de briques et d'acier avec un système d'extinction automatique d'incendie puisse partir en fumée aussi vite. Je t'en prie, Dwayne était assez heureux de voir tout ça disparaître. McKnight aussi. Si tu pouvais accéder à ce coffre-fort dans son mur... Non, laisse tomber. Écoute, Steve, à mon avis, cet incendie était un accident. Restons-en là. Et toi, ne t'avise pas de bouger. Attends, on va revenir sur l'incendie du journal. Une affaire. Oui, bon. Peut-être qu'ils étaient trop absorbés. L'art enrichit la communauté, Steve. Comme une... Oui, bon, il a dit. Qu'est-ce qu'il y avait ? Attends, il n'y avait pas abattoir, non ? Mais non, il n'y avait pas abattoir. Répète un peu pour voir. On dirait que je l'ai insulté. Attends, peut-être fuck. Comme avec la mer. Répète un peu pour voir. Nul. Répète un peu pour voir. Incendie. Une affaire épouvantable. Ah voilà, oui. D'accord, il n'y a pas besoin de marquer exactement le truc par cœur. Okay. Je t'en prie. Bon ben, salut. Salut. Salut! Et en plus, ils osent. Je dis pas ça pour moquer, hein, mais c'est juste, c'est rigolo. Alors, ah oui, ok, c'est là. Attends. Désolé, Steve. Quand j'en aurai fini ici, j'aurai du nettoyage à faire. J'arrête pas une minute. J'arrête pas une minute. Ils sont pompiers, ils passent leur temps à peindre. Station de police. Attends, café d'Etna. On va au café d'Etna maintenant. Attends, est-ce que j'ai balancé? Ouais, j'ai lancé. Ok, bon, on va rentrer. Attends, y a pas d'autres trucs que je peux. Oui. On peut pas cliquer sur la voiture. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a un truc exit. On peut pas accéder là à la salle. On a une petite fille. On a une femme. Ça doit être Edna. Ouais, c'est ça. On va parler à Edna d'abord. Oh, Steve, qu'est-ce que tu fabriques à m'espionner comme ça? Seigneur, l'espace d'une seconde, j'ai cru que c'était Monsieur Johnson. De quoi as-tu envie? Bien sûr, mon nom est Edna Fitzpatrick. Ce n'est pas moi qui fais de l'amnésie. Alors, vous me croyez? Eh bien, tu as toujours été un blagueur, Steve. J'ai dû changer parce que je plaisante pas. Écoute, Steve, cette amnésie ne te mènera nulle part. Si tu ne veux plus épouser Stéphanie, dis-le. Mais ne joue pas aux malades imaginaires. De la part de Karine, je comprendrais. Mais d'un garçon de 18 ans... Karine, c'est de sa fille. Tu connais ma fille Karine, non? Elle a 8 ans. Elle et le café, c'est tout ce que j'ai. Stéphanie, Monsieur Johnson. Monsieur Johnson semble m'apprécier. Je dirais qu'il a le béguin pour moi... Mais c'est un mot trop léger. C'est un homme frustré qui n'a pas assez de choses à faire. Il ne s'est jamais remis du fait que l'ordre n'ait pas voulu de lui. Il y a quelque chose de gênant dans la façon dont il me regarde. Je suis toujours soulagée quand le shérif vient déjeuner à midi. Il ne s'est jamais remis du fait que l'ordre n'ait pas voulu de lui. Il y a quelque chose de gênant dans la façon dont il me regarde. Le shérif est tellement gentil. Et je ne dis pas ça parce qu'il est mon client le plus fidèle. Tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, il est là à midi tapante. Il s'assoit toujours au même endroit. Au moins pendant une heure, je sais que M. Johnson ne viendra pas. Tu sais ce qui est étrange. Dwayne ne vient jamais ici avec l'agent Loomis. Tu sais ce qui est étrange. Dwayne ne vient jamais ici avec l'agent Loomis. Mais il dîne fréquemment avec M. McKnight, le propriétaire de la station de télé. Parfois, il vient aussi avec le receveur Boyle. Mais pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il soit ami.
J'ai vraiment peur de pas avoir lancé l'enregistrement, ça m'angoisse. Monsieur Johnson, s'il vous plaît. Bien que je les voie souvent ensemble, Boyle et le shérif ne semblent pas du tout s'entendre. Comme s'il y avait un lien entre eux qui n'aurait rien à voir avec l'amitié. Encore que je ne vois vraiment pas quoi. Peut-être que le shérif est furieux de ne pas faire... Peut-être que le shérif est furieux de ne pas faire partie de l'ordre. Pourtant, ce n'est pas la faute de Boyle. Il ne fait que remettre les formulaires d'inscription. Il ne décide pas qui est digne d'être membre. Alors, l'ordre. L'ordre renferme toute la sagesse du monde. Tu devrais joindre l'ordre de la lune d'Harvest, Steve. Et vite. Pourquoi ? Bon sang, qu'est-ce qu'elle a de si génial, cette secte ? Le blé est mûr et n'attend pas la faux. Le fermier qui attend trop longtemps ferait mieux de prendre sa faux et de s'ouvrir l'estomac avec. La lune rousse est la lune de la moisson. Ok, ça c'était très bizarre comme citation. La lune rousse est la lune de la moisson. Puis l'hiver survient. Un ventre vide entouré d'un corps vide. Du sang sur le sol. Qu'est-ce qu'on a à gagner si on trouve son âme en perdant le monde ? Ta faim se nourrit d'elle-même avant qu'il ne soit trop tard. Oh, Edna ? Steve, qu'est-ce qui s'est passé ? On parlait de Boyle ? Où était-ce de Karine ? Vous aviez l'air vraiment bizarre là pendant une minute. Je suis désolée. J'ai beaucoup de soucis. Avec ce café à tenir seul, excuse-moi. Receveur Boyle, je pense que ça parlait de lui. Bien que je les vois souvent ensemble. Ah non, ça j'ai dit. Peut-être le shérif est tellement gentil. Ah oui, bon, il a dit... Tu sais ce qui est... Chaîne de télé, voilà. Monsieur McKnight possède la station télé War. Il semble bien s'entendre avec le shérif Duane. Mieux que Boyle, en tout cas. En fait, mieux que tout le monde. Je ne vois ce qui les lie, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit une histoire de gros sous. D'accord. Reviens quand tu veux, Steve. Ok, on peut parler à la fille. Salut, comment tu t'appelles ? Karine. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'amuse. Ma mère travaille et je dois pas rester dans ses jupes. Vous voulez jouer ? Ah, pas maintenant. Peut-être une autre fois. D'accord, salut. D'accord, bah... On peut pas cliquer sur les trucs. Voilà. D'accord. J'ai vraiment peur de pas avoir... Si, j'ai lancé l'enregistrement. Oui, clairement. Donc je vais sauvegarder, échappe. Ah non, c'est comment ? Attends. Ah oui, on peut pas sauvegarder quand on est comme ça. Caserne des pompiers, immeuble du journal, ouais. Attends, sauvegarder, j'ai peur. Bon, au pire, je regarde. Je vais créer une nouvelle sauvegarde. YouTube 2. Voilà, bah, j'ai vraiment peur d'avoir, de pas avoir enregistré. Examiner les cendres. C'est tout ce qui reste de l'immeuble. On peut pas explorer d'autres trucs. D'accord, bah y a rien à voir. Bon, bah on va aller au Hôtel Royal Yard. Chez Johnson, on n'y veut pas aller, maison abandonnée. Chez Pot's Dame, on y allait. Bon, bah on va aller au cimetière. Attends, y a pas d'autres trucs que j'ai oublié. Non, qu'est-ce que c'est ? Non, la station de police. On y allait, la station de police ? Non, on n'y est pas allé. Ouais, on n'y est pas allé. Examinez. Le flic vous ignore, il est occupé à verbaliser quelque chose. Ça m'angoisse parce que c'est le même plan que quand on se fait arrêter. Ventilateur. On peut pas fouiller. Dossier vide marqué et affaire élucidée. Dossier vide. Cafetière. Un plan d'Harvest. Incendie non résolu et c'est plein à craquer. Ouais. Porte est fermée. C'est la pièce des indices, où l'on met les preuves relevées sur le lieu du crime. C'est fermé à clé en permanence. Il y a des choses là-dedans qui donneraient la courante à certaines personnes, si je le voulais. J'aimerais bien te montrer, mais c'est top. Ah merde. C'est la pièce des indices, où l'on... Ah mais, il veut pas me le dire. Meurtre non résolu et c'est plein à craquer, alors... Bonjour Steve, laisse-moi faire les présentations. Je suis le shérif Duane. Et voilà Loomis. Enchanté. Mais on ne s'est pas déjà vu ? Bien sûr que oui. Mais je suis au courant pour ta pseudo-amnésie, alors j'ai décidé de jouer le jeu. J'espère seulement que c'est une mauvaise blague et pas le début d'une crise de démence. Je te conseille de pas trop faire le pitre, hein, sinon tu finiras dans ma prison. Et crois-moi, c'est pas le meilleur endroit pour célébrer un mariage.
D'après ce que j'ai pu comprendre, tu as aperçu Miss Wallet en train de donner un petit cours à l'école, et elle pense que dans une certaine mesure, cela aurait pu te perturber. Il faut que tu oublies cette histoire, mon gars. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe à l'école. Je laisse ça aux vieux pros. Mais tu devrais en faire autant. Tu sais, tu ne trouveras pas un psychiatre pour te dire qu'il ne croit pas au pouvoir sédatif d'un bon coup sur la caboche. Mais c'est scientifique, Steve. On ne peut pas dire le contraire. Mais non, elle a tué un élève et le proviseur, il est 68 ans en gros. Amnésie, prison, mariage, Loomis. Alors, amnésie. Pourquoi tiens-tu à briser le cœur de ta pauvre mère avec cette ânerie d'amnésie ? Je vous dis la vérité. Pourquoi est-ce que personne ne me croit ? Eh, t'as toujours été un blagueur, Steve. Ouais, je sais. C'est ce que tout le monde me dit. Mon gars, tu devrais arrêter avec ces inepties. Tu as un mariage qui s'annonce. Bon sang, il faut que tu deviennes sérieux. Tu dois penser à ta carrière et à rejoindre l'ordre. Amnésie ou pas, tu peux quand même pas avoir oublié que tu vas épouser la plus jolie fille d'Arvest. Bah, c'est la seule. Je trouve que Stéphanie est trop jeune. J'espère seulement que la déception de son père ne viendra pas tout gâcher. Déception ? Monsieur Postdam tient à faire le mariage dans le bâtiment de l'ordre. Mais il n'y entrera jamais. Comme tous les autres, il est toujours là planté devant le bureau de poste le premier du mois, à attendre que... porte les demandes de candidature mensuelle. Il n'y a jamais assez de formulaires, et même si tu obtiens une demande de candidature, il y a peu de chances que tu sois sélectionné. Les demandes de places sont limitées, et les places encore plus réduites. Quant à Postdam, ils lui ont dit non tellement de fois qu'à moins qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel, il ne sera jamais pris. Oui, oui. Alors, j'ai peur que dans l'histoire, il divorce avec Stéphanie, qu'il se retrouve, je sais pas, avec Karine ou avec un pervers, enfin un autre pervers. Crime, mariage, crime. D'un point de vue criminel, il ne s'est pas passé grand-chose à Harvest depuis l'incendie du quotidien. Bien sûr, à peu près une fois par semaine, on a des gens de passage qui meurent soudainement. Mais à part ça, il y a peu d'animation dans le coin. Et animation, lui, il parle d'animation. Nous avons beaucoup de clochards et de sans-abri qui passent en ville. Ils ne sont jamais très en forme pour commencer, alors ils font un petit tour et décident qu'Harvest est une belle ville pour mourir. Vous voulez dire qu'ils meurent comme ça, régulièrement ? Oui, comme des mouches. Je les ficherais tous en cabane si je pouvais, mais je manque de cellules. En plus, comme ils ne s'éternisent pas... D'un autre côté, c'est une charge pour Monsieur Moynan, tous ces corps à enterrer. J'espère seulement que la kermesse organisée par le Cercle des Ménagères, en association avec l'Ordre, va améliorer les choses. Là, j'ai peur, là, avec l'histoire de collecte de sang et tout. Prison, Ordre... C'est quoi ça, Moynan ? Oh, j'ai oublié ton amnésie. Monsieur Moynan dirige à la fois l'hôtel Wayward et la morgue. Ce qui place le pauvre homme dans une situation difficile, puisque ces types cherchent toujours un endroit pour se loger avant de claquer. Peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Tu veux dire qu'il les assassinerait ? Non, certainement pas. Monsieur Moynan sait bien que si cette racaille a assez d'argent pour rester à l'hôtel, ils n'en ont sûrement pas assez pour se payer un enterrement. Et si les clodos n'ont pas le blé pour les funérailles, c'est la communauté qui doit raquer si on veut pas les voir pourrir devant nos fenêtres. Je pense que tu ne devrais pas être médisant vis-à-vis de Monsieur Moynan, vu qu'il te laisse célébrer ton mariage dans la chapelle de la morgue. Et si les clodos n'ont pas le blé pour les funérailles, regardez la bouche du gars, il parle. Regardez en haut. On veut les voir pourrir devant nos fenêtres. Je pense que tu ne devrais pas être... Regardez, là, il a la bouche qui parle. C'est excellent. Crime, mariage, amnésie, salut... Incendie. Qu'est-ce que tu dis ? Mais non, mais journal peut-être. Journal. Qu'est-ce que tu dis ? Merde. Ah, j'ai. Mariage. Attends. Amnésie ou pas, tu peux quand même pas avoir oublié oui. que tu vas y... Déception ? Monsieur Post. Il n'y a jamais. L'ordre ? Je n'ai pas honte de te le dire. Je n'ai pas ménagé mes efforts pour essayer de rentrer t'as à l'ordre. J'ai mis la bouche. Faire partie de l'ordre de la lune de Harvest est le rêve de tout le monde ici. Comme je l'ai dit, à moins d'avoir un formulaire d'adhésion le premier du mois, tu n'as généralement aucune chance. Oh, il a un bureau bizarre. De poste pour discuter avec le receveur Boyle. On ne sait jamais, peut-être qu'il a un formulaire qui traîne quelque part. Passe me voir quand tu veux. J'ai envie de parler à Loomis. La shérif va toujours au café Edna vers midi pour déjeuner.
et il revient à 1h de l'après-midi. C'est réglé comme du papier à musique. Il n'aime pas perdre son temps avec des broutilles. Je peux faire quelque chose pour toi? Fais comme tu veux. Tiens, quand j'y pense, tu as vraiment de la chance de te marier avec Stéphanie. Elle a l'air très bien. J'espère juste qu'elle ne deviendra pas comme Madame Loomis ou, Dieu l'en garde, comme Madame Phelps. Les femmes bien peuvent parfois être inflexibles sur les besoins des hommes. Tu verras. C'est pas possible, je suis toujours halluciné. Je ne vois pas ce que tu veux dire, petit. Mince alors. Elle est jolie. Un peu comme cette fille que j'avais vue sur une de ces cartes postales françaises qui faisait dans le temps. Avant, je ramenais ces trucs à la prison, si personne n'était là. Je les tenais d'une seule main, avec quelques serviettes à côté. C'était avant Madame Loomis. Carte postale française, ça m'intéresse. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que ce soit des cartes postales françaises. C'est juste comme ça qu'on les appelait avant. Oui, c'est vrai. N'importe quel petit livre avec des filles dedans. Le genre que les hommes aiment bien, ce serait épatant. Je serais très reconnaissant, petit, si tu pouvais m'en ramener. Carte postale française. Madame Loomis. Bon Dieu. J'aimerais bien avoir quelques-unes de ces photos. Olé, olé. Mais Madame Loomis ne me laisse pas les garder à la maison. Je me rappelle une fois où elle m'avait surpris tenant ces photos d'une main. Elle m'a cogné à coups de balai. J'ai hurlé comme un chien. Le balai s'abattait sur moi. Il y avait de la paille partout. Et du sang. Du sang et de la paille. Je pleurais tellement. Et ça faisait si mal que j'ai dû ramper jusqu'à la porte, tout nu. Avec toutes ces énormes araignées qui me piquaient. Mon derrière à l'air. Et partout ailleurs. Je te le demande. Est-ce que c'est une façon de traiter un homme? Mais Madame Phelps et le shérif ne me facilitent pas la vie, eux non plus. Je me rappelle une fois où elle m'avait... J'ai hurlé comme un chien. Oh, avec ça toutes bug. Ces énormes araignées qui me piquent. Je te le demande, est-ce que c'est une... Putain, c'est hallucinant. Je jure que je faisais les grands yeux. Madame Phelps, au magasin, n'arrange pas beaucoup les choses. Elle a pas mal de ces petits magazines de photos, ceux avec des femmes. Mais elle ne veut pas me les vendre parce qu'elle connaît ma femme, Madame Loomis. Oh, bon Dieu, ce que ça peut me mettre en boule. Et si je lui en demande, elle le dit à Madame Loomis et je prends les coups de balai. Il y a de quoi briser mon cœur. Elle a brûlé mes cartes postales françaises, je ne peux même plus les remplacer. Un homme a des besoins, tu le sais bien. Mais elle ne veut pas me les vendre parce qu'elle connaît ma femme. Bon, ça bug. Besoin d'un homme, casse pas ça. Je ne vois pas ce que tu veux dire, petit. Shérif. Je ne vois pas ce que tu veux dire, petit. Quand ça s'écrit shérif? Je ne vois pas ce que tu veux dire, petit. Dwayne. Si le shérif avait un peu de cœur, il me laisserait garder ici quelques-uns de ses petits livres avec des photos. Si Madame Phelps me laissait en acheter, je veux dire. Mais tu vois, il m'interdit d'en garder ici, lui aussi. Il n'aime pas que le matelas de la prison soit tout humide. Tu comprends? Matelas. Parfois, un homme peut être bon au couteau ou avec un revolver, mais tout de même, avec une main et tout, il peut rater son coup de peu. Il n'y a pas de honte à ça. C'est pourquoi le Seigneur a conçu l'évaporation et tout ça. Mais le shérif, il n'aime pas ça. Et il ne prend pas en compte les besoins d'un homme, tout comme Madame Loomis, bénie soit-elle. Salut. À la prochaine, petit. C'était... C'est très particulier. Alors, je vais sauvegarder. Ah, une boîte aux lettres. Ça me met mal à l'aise. Caserne des pompiers, cimetière, hôtel Wayard. Ok, on va rencontrer le... Johnson, on n'est pas allé. Potsdam. Attends. Magasin. Ici, on allait au mag. Attends.
pour magasin. Je sais pas si on est déjà allé. Des asperges de Provence. Miam, des asperges de Provence. Il est trop occupé. Alors, oh, une caméra. Projecteur, ah, c'est un projecteur, je suis bête. Un vieux projecteur de 16 mm portant l'inscription Mémorial Saint-Jean. Tonneau vide en perdant une viande pourrie. Des cafards desséchés et du sable remplissent la fontaine. Pourquoi du sable? Des photocopies gratuites. Télémiteuse. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit? Qui êtes-vous? Tu es dans le magasin de Madame Phelps. Donc, qui puis-je bien être? J'ai l'impression que tu devrais retourner au Mémorial Saint-Jean pour que Miss Ouellette apprenne la logique. Il y a certains trucs qui m'échappent en ce moment. J'ai perdu la mémoire. Oliverne, tu as toujours été un farceur, Steve. Je ne plaisante pas, j'ai besoin d'aide. Eh bien, on dit qu'un bon coup sur la caboche est souverain pour l'amnésie. Si c'est vrai, je te recommande de nouveau Miss Wallet. Prenons Tari. On dit aussi qu'une belle frayeur peut remettre la mémoire sur pied. Dans ce cas, tu devrais plutôt aller voir le maître d'armes. Là-bas à l'ordre. Ce type me donne des frissons. À propos de frissons, comment va ton père? Je ne sais pas, ma soi-disant mère le garde enfermé dans une pièce et je ne peux pas le voir. Tu souhaites acheter quelque chose? Oui. Indique-moi du doigt ce que tu veux, je suis un peu sourde d'oreille. Attends. Voilà la photo du gars, là. C'est très bien, jeune homme. D'accord, je change. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? Starship, un truc comme ça, là. Starship, truc. Je sais pas. Oui, d'accord, c'est du Warhammer, d'accord. Des boîtes de conserve. Vider de son sang de l'étiquette. Clé à molette abusée, vous devez payer, madame. Un journal à 25 cents, ça, on peut l'acheter. Une boîte de soupe ou de morora. Ah, c'est rangé avec la bouffe, d'accord. Une vache vidée son sang sur l'étiquette. Des paquets de café d'averse. C'est quoi ça? Du scotch. Allez, on le prend. Attends, exit. D'accord, alors I, on va acheter le journal bizarre. D'accord, c'est le seul truc pour un... Un magazine, olé, olé. Oh, Steve, ça m'étonne de toi. De la part de l'agent Loomis, ça ne m'étonne plus. Mais de toi, il est toujours là à poser ses doigts graisseux sur mes journaux. Mais il peut toujours courir pour que je lui en vende un. Je connais sa femme, tout de même. Oh, la tête qui est faite, ouais. Et à moi, vous en vendez un? Mais bien évidemment, Steve. Ce genre d'intérêt est normal chez un jeune garçon. Ça l'empêche de penser à devenir pompier. Oh putain. D'accord, bah du coup je le prends. Putain. Ah bah il est plus. Attends, du coup je l'ai dans l'inventaire pour pas devenir pompier. Journaux porno, ok. Excellent. Excellent. Pas de meilleur pompier. Coiffeur, bureau de poste chez toi, Potsdam, Johnson, on n'a pas encore de raison d'y aller. Le cimetière, pas encore de raison. Hôtel White Yard. Morgue, oh la morgue, ça c'est sympa la morgue. On va d'abord enquêter dans le cimetière. Ok, ça c'est le bâtiment de l'ordre qu'on voit derrière. Alors, je vous jure, on dirait, là avec les coupoles, on dirait des. Vous savez, les torseurs de dôme. On dirait le château de la reine Amidala dans la menace fantôme de Star Wars. C'est excellent. Ok, j'imagine que pour. Oh, des tombes. Pierre tombale. La tombe du clochard inconnu. Robert Williams, 1922-1947, un puissant Théphasmagorie se perpétuer. Puisse Théphasmagorie se perpétuer. Ici, report Boxar Willy. Freddy Mercedes, trop d'amour t'a tué.
Même la colle n'a rien pu faire. Repose en paix. Oula. Oh, un éclair. Un éclair au chocolat, j'espère. Donc c'est pas un Adolphe éclair. L'endroit empeste le purin. 2 ans Harvest, c'était trop. La morte soit douce, Sophie. Attends, les tombes sont pas. Ah, les tombes, elles sont pas. Elles sont pas. Il y a des tombes qui sont ouvertes. On peut lire Monte Jack. Scopti Bacan, nous vivrons mieux sans toi. Oh les bâtards. Les mecs, ils mettent ça sur la tombe. Alors, pour anecdote, le tueur en série Tommy Lincell, quand il était enfant, en fait, il avait une jumelle, une soeur jumelle, et en fait, elle est décédée. Et donc, sur la tombe, la mère aurait préféré qu'elle vive et pas lui, et du coup, elle a marqué le nom de Tommy sur la tombe et pas le nom de la fille. Le texte sur sa tombe est devenu illisible. Ah oui, ça, on l'a déjà fait. 27 novembre 1948, encore un passant inconnu. Cette tombe ne porte aucune inscription, d'accord. Ok. J'aime bien les cimetières, moi, mais j'y suis jamais allé la nuit. Pas de pique-nique, encore une tombe. Quoi? Encore une tombe? Attends, il dit... Ah non, mais ils ont mis une table de pique-nique à la place de... Ok, on peut pas avoir. Portes en marbre sont fermées. Je pense que ce bâtiment va être important, surtout que... Le caveau de la famille Potsdam. Ah d'accord, c'est déjà important. Le mec, il est en slip dans son... dans son salon à rien faire. Et... Oh, c'est peut-être une famille... Attends. Ah! Dans le magasin, il y avait une clé à molette. J'adore cette musique. Alors on va aller à la morgue. Il me semble qu'il y avait une chapelle. Ah ok, d'accord, une chapelle. Oui, il me semble qu'il y avait une église. Bon, on peut cliquer sur examiner les paysages. Un jardin très bien entretenu. Ouh, la déco. Ouh, les années 50, on les sent. Chandelles, bougies ont été allumées par de nombreux croyants ou par un seul croyant qui avait beaucoup d'allumettes. Ceux qui nous ont quittés récemment, Monte Jack. Le planning des enterrements de la semaine. Des divans à l'aspect confortable. Ah, attends, c'est l'aspect... Oui, l'aspect confortable. Alors là, ça doit être l'église. Ok, ouais. Alors, pour anecdote, un très beau chandelier, des bancs d'église recouverts d'une épaisse poussière. Alors, pour anecdote, ça y ressemble beaucoup en termes de plan. Là où cet acteur, il a été pris pour, sélectionné pour, disons, ce jeu, et ben, cet acteur-là, en fait, il jouait un prêtre avec des zombies et tout, dans une autre vidéo qui avait rien à voir. Mais d'ailleurs, en fait, cet acteur, il jouait tellement mal, en fait, que même dans la version originale, en fait, ils ont gardé les images et tout, mais ils ont mis un doubleur pour faire sa voix, tellement il est naze. Attends, examinez votre inventaire. Ouais, non, je veux pas examiner l'inventaire. On va monter sur l'hôtel. Enfin, dans le cœur. Oui, l'hôtel. Un chandelier de cuivre est chargé de cierges à l'odeur envoûtante. L'empreinte d'une tête et d'un corps recroquevillé est visible dans l'épaisse couche de poussière. Un saint s'agenouille devant un berger absolument terrifié. Attends quoi? Ah d'accord. Chandelier. Petit pupitre de prêtre. Alors oui, un vitrail intrigant représentant un homme avec une faute dans une main et quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est? Ouais, enfin ils sont complètement tarés, leur religion là c'est... ils adorent la mort. Ok. Alors, au Mexique, il y en a qui a un culte de la Santa Muerte, mais c'est pas morbide dans ce sens-là, c'est autre chose. Alors, j'imagine que la mort, c'est là. Ouais. Oh non, mais c'est dégueulasse. Alors, un cœur. Cet organe n'est pas censé compléter du formol. Des choses flottent dans ses bocaux, genre de choses que vous voulez pas regarder, mais dont les yeux ne peuvent pas se détacher. Un ventilateur parvient difficilement à brasser la puissance des... Oh.
De la colle, il y a une colle de tupastro. Des traces de doigts ensanglantés sont visibles sur la vitre. C'est dégueulasse. L'aiguille aiguille indique 33 degrés Fahrenheit. Bon, bah, attends. Ce sont les restes identifiables d'une pauvre créature. C'est horrible. Steven, qui êtes-vous? Je suis Daniel Monahan, l'entrepreneur des pompes funèbres et de l'hôtel Wayward. On me demande en général pourquoi je me souviens pas des noms des gens. Eh bien, tu as toujours été un farceur, Steven. De plus, comme je dois m'occuper des morts, j'évite de frayer avec les vivants. Que tu aies perdu la mémoire ou pas ne me concerne guère. Alors pour Night Dog, l'acteur qui joue ce personnage est le créateur du jeu. De charité. Que tu aies perdu la mémoire ou... De quoi parlez-vous? Mes difficultés ont joué un rôle essentiel dans la mise en place de la kermesse de la ville. Je suis heureux de voir que l'ordre de la lune d'Harvest y joue également un rôle. Les fonds m'aideront certainement à couvrir mes pertes. Oui, je les prépare. J'utilise de la colle astro pour refermer les incisions de l'autopsie plutôt que des points de suture. C'est beaucoup plus rapide et efficace. Oh, bien sûr, cela ne tient le choc que pendant une courte période. Mais qui se soucie s'ils s'ouvrent en deux une fois qu'ils sont 6 pieds sous terre? De toute façon, ça arrive toujours avec la pression des gaz et les vers qui rongent les parties molles. Alors, inutile de réaliser un bel ouvrage de couture. C'est assez froid comme vision des choses. Et mes pertes, alors? Est-ce que tu te rends compte que s'il n'y avait pas l'ordre de la lune d'Harvest, la vente de charité et tout ça, même avec l'hôtel Wayward, je serais au bord de la faillite? En tant que gérant du seul hôtel de la ville, je m'efforce de loger les sans-abri de passage à Harvest, en fonction des disponibilités, bien sûr. Merci. Comme de nombreuses autres personnes, je souhaite un jour accéder à l'ordre. Et de ce fait, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour leur être agréable. Et qu'est-ce qui leur est agréable? Cela ne te concerne pas, jeune homme. À moins que tu envisages de rejoindre leur rang. Aha. Comme toujours, l'ordre de la Lune de Harvest est le premier à affronter les maux de notre société. Grâce à sa participation à la kermesse et à la collecte de sang, l'ordre s'efforce de répondre à tous nos besoins. Nos besoins? Mais quels besoins? Excuse-moi, mais j'ai des corps à préparer, et mes pertes ont été assez conséquentes ces derniers temps. Si l'ordre t'intéresse vraiment, tu devrais passer chez eux et parler au maître d'armes. Pourquoi est-ce que ça m'intéresserait, monsieur Monahan? De tous les lieux d'Harvest, l'ordre est le plus important géographiquement et spirituellement. C'est l'ambition de chacun de rejoindre leur rang. Et cela est nécessaire si l'on souhaite atteindre la sagesse. Quel genre de sagesse? Si je le savais, je serais membre, Steven. J'ai le sentiment que tu as ce qu'il faut pour faire partie de l'ordre. C'est ce que nous pensons tous. Que tu parviennes à vivre, pour voir ce moment arriver, ne dépend que de toi. Ah, la kermesse. La kermesse est organisée par le Cercle des Ménagères, en association avec l'Ordre de la Lune d'Harvest. Les fonds collectés seront utilisés pour les personnes de passage. En d'autres termes, pour les sans-abri et les rebuts de la société qui n'ont pas d'attache familiale et qui errent en ville. Vous voulez dire que l'ordre fait construire des abris pour les clodos? Pas des abris, des tombes. Un grand nombre de ces clochards meurent quand ils passent en ville. Ne me demande pas pourquoi. Cela arrive, c'est tout. Fais fonctionner ton cerveau, Steven, amnésie ou pas. S'ils construisaient des abris, en quoi serais-je concerné? Et pourquoi aurais-je des pertes financières? Il semblerait qu'Harvest soit comparable à un cimetière d'éléphants. Les gens pauvres s'y rendent pour mourir. Ils viennent de partout, sans un sou. Mais ils doivent tout de même être enterrés. Comme cet homme dans la chapelle. Il est prêt? Dieu sait qu'en prenant ces gens à l'hôtel Wayward, j'avais déjà bien fourni ma contribution. Alors pourquoi dois-je maintenant payer pour les cercueils et l'enterrement personnellement? Les coûts de cette situation engendrée sont conséquents. Heureusement, les fonds collectés lors de la vente de charité devraient couvrir mes frais. Kermesse, alors la kermesse. Salut. Je dirais que c'était plaisant, mais je trouve la compagnie des êtres vivants trop ennuyeuse. Merci. D'accord, là on va sauvegarder. Ne vous inquiétez pas, l'épisode n'est pas encore terminé, il reste au moins 10 minutes, peut-être même un quart d'heure.
Alors. Ouais, il reste 10 minutes. Au pire, on peut un peu dépasser, c'est pas gênant. Ok, alors, Johnson, on n'y est pas allé. Le cimetière, on y est allé. Johnson, ça n'a pas de sens. Station de police. Hôtel Wayward. 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 Il est marqué quoi là ? No. No. Ah. No vacances, je sais pas. On peut entrer. Il y a une peinture, ça doit être fait par les pompiers. Ah, c'est la musique. Je sais plus où. Un tableau. J'aime bien là les mezzanines et les. J'aime toujours là ce qui est en hauteur qui est surprenant. Le miroir agrandit la taille de la pièce. La cercle. Oui, de la carnesse, la porte est fermée. Registre avec des noms derniers de temps montés. Merde. Merde. Je dirais que c'était plaisant. Nous n'avons plus rien à nous dire, jeune homme. J'ai le sentiment que ta carcasse va bientôt atterrir sur ma table d'opération. Et moi, j'en connais sur les gens que je découpe. Salut. Je dirais que... Oui, c'était plaisant, évidemment. Attends, est-ce que je peux lui donner des trucs? C'est quoi ça, c'est un stylo? En quoi cela me concerne-t-il? En quoi cela me concerne-t-il? Attends, il y a peut-être des trucs intéressants. Ça, c'est quoi ça? En quoi cela me concerne-t-il? J'ai tout essayé, je sens fouille. En quoi cela me concerne-t-il? En quoi cela me concerne-t-il? Oui. En quoi cela me concerne-t-il? En quoi cela me concerne-t-il? Ok, là j'hésite vraiment, le magazine. En quoi cela me concerne-t-il? D'accord, ouais. Oui, je vais quand même donner un magazine, olé olé. Donc on va en profiter, on va... Attends, j'ai bien tout visité à part le truc de... Le gars dont j'ai parlé. Hein, ça j'ai fait... Eh ben on va chez Johnson. Oh, la voiture elle est pas mal. Bonjour Steve, comment va le futur époux? En dehors du fait que je n'ai plus de mémoire, plutôt bien. Plutôt bien. Tu devrais être rayonnant en imaginant dans quoi tu vas te mettre. Si tu ne t'y es pas déjà mis. En parlant d'elle, j'ai entendu dire que Stéphanie était cloîtrée. Son père s'inquiète au sujet de sa chair. Mais moi, si j'étais à sa place, c'est de la chair que va manger sa fille que je m'inquiéterais. Oui. Et vous êtes? Oh, tu as toujours été un blagueur, Steve. Je suis Monsieur Johnson, tu te souviens? Ah, heureux que tu sois passé, petit. Je viens juste de finir de lustrer ma tucker. Je pourrais aller me relaxer un peu, mais Enna n'est pas là. Je peux aussi bien discuter avec toi. Stéphanie, ok, Stéphanie. En parlant de Stéphanie, je n'ai toujours pas reçu d'invitation au mariage. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est bon. Personnellement, je préférerais un laisser-passer pour la lune de miel. Oh. Tu pourrais utiliser le siège arrière de ma tucker pour ta nuit de noces. C'est bien assez grand, crois-moi. Je vous servirai de chauffeur et je ne regarderai pas dans le rétroviseur, je te le promets. Oh. À moins que tu veuilles prendre le volant un moment, je ne dirai pas non. Oh, mais non! Alors, la tucker. C'est une sacrée voiture, hein. C'est une honte de devoir rester dehors à la surveiller tout le temps, mais si je ne le fais pas, ces horribles gosses risqueraient de me l'abîmer avec leur ballon. Évidemment que c'est une vraie. Je ne la protégerai pas comme ça, ce n'est qu'une copie. Je suis particulièrement maniaque au sujet de ma tucker. Oui. J'ai fait aménager mon garage comme une forteresse pour pouvoir l'enfermer la nuit et pour dormir un peu. Oh, je suis sûr qu'elle est à l'abri à l'intérieur. Il y a quelques mois, quelqu'un a pénétré dans la maison et a essayé d'entrer dans le garage. J'ai dû batailler ferme pour obtenir du shérif qu'il accepte d'envoyer des patrouilles le soir et qu'il instaure le couvre-feu. Edna. Edna Fitzpatrick est une des femmes les plus prétentieuses de la ville. Je l'affirme, il n'y a pas une autre femme dans Harvest qui me repousserait si je lui faisais des avances.
Mais comme elle possède le café Edna, elle prend ses grands airs et elle a ses drôles d'idées sur l'indépendance. Et avec ça, une petite fille à élever. Cette petite a besoin d'un père. Hein? Edna, elle a besoin d'un gros engin bien dur. Ah oui, c'est lui qui tournait autour d'Edna, d'accord. Enfant. Karine n'a que 5 ans depuis que M. Fitzpatrick est mort. Entre les bras et les jambes d'Edna, je pourrais ajouter. Edna élève Karine toute seule. Quelle honte de priver cette petite fille d'une figure paternelle. Et sa mère d'un homme charnu et bien rigide. Homme. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a besoin d'un homme charnu et bien rigide? Tu insinues qu'elle serait satisfaite par quelqu'un d'autre? Comme ce satané shérif Duane, peut-être. Il est au café Edna tous les jours, de midi à 1h, bouffant son sale pâté. Et j'ai le sentiment qu'il aimerait bien Edna comme dessert. D'accord, c'est le seul café de la ville. Mais je suis sûr qu'il a autre chose en tête que le repas. Café d'Edna. C'est vrai que le café d'Edna rapporte bien. Mais l'argent n'est pas tout pour une femme. Est-ce que l'argent tient chaud la nuit? Est-ce que vous pouvez l'enlacer de vos cuisses ou écorcher son dos jusqu'au sang avec vos ongles vernis de courtisane? Edna, Edna. Alors, comment va Stéphanie? Je lui parle de Stéphanie. Naturellement. En parlant de Stéphanie, ah oui, bon, bref. C'est bon. Oui, bon, salut. Allez, bonne journée. On peut pas entrer dans la maison. Attends. Bouche d'égout est fermée. Une désagréable odeur s'en échappe. Non. Je vais sauvegarder. Attends, on va chez Potsdam. On va toujours chez Potsdam. On est toujours bien accueilli chez Potsdam. Alors, échappe. Sauvegarder. Allez, on met sur YouTube 2. Mais voilà mon gendre préféré. Attends. Les tampons. Oui, très bien. Mais as-tu de la viande? D'accord, je pense qu'il veut de la viande, donc je vais aller à l'abattoir. Ouh, je suis tout petit par rapport à la maison. Ouais, j'ai pas envie que ce soit la fin de l'épisode. On va à l'abattoir qui est en bas. Et oui, on va à l'abattoir. Et donc... Attends. Magazine porno. Attends, je vais essayer. Non, échappe. I. On va lui montrer le magazine porno. Je pige pas. Ok, il s'en fout. Les tampons hygiéniques. Je pige pas. Zut. Ah non. Bon. On va se battre. Sauvegarder. Sauvegarde encore. Bon, ben, on va devoir le tuer. Attends, il a pété? Bon, on va recommencer. Magnifique visage, hein, c'est un très beau portrait. Bon, on va le taper. Je pense qu'il faut le taper. Si tu veux de la viande. Bâtard! Putain, c'est chaud. J'espère que plus tard on aura des armes un peu plus élevées. Non! Attends, je vais éteindre mon minuteur. Il reste 49 secondes, ça aura fait 50 minutes. Annulé, voilà. Ah, c'est frustrant. Je suis sûr on peut le battre.
Mais bâtard! Oh, ça me saoule. Écoutez la musique, l'alarme de la Seconde Guerre mondiale. Connard! Ça t'apprendra à taper les animaux. Je suis en train de gagner. J'en ai un peu marre. C'est un peu long. Encore mourir. Ah, on peut pas récupérer un truc là. J'ai récupéré la viande. J'ai récupéré de la viande. On peut pas libérer les petits chats. Ok. Bon, bah attends, je récupère. Y a pas des trucs que je peux récupérer. Alors on s'agente sur son cadavre. Regardez. On le défait dessus. Ok, bon, on va pouvoir sortir. Ah merde. Ah, on va se faire guillotiner. Steve, tu es en état d'arrestation pour le meurtre de Patorelli. Patorelli. Tu ferais bien de me suivre. C'est ta première arrestation, Steve. Tu te souviens qu'on a cette règle du 3 fois mais pas 4 à Harvest? Alors plus d'âneries de ce type, compris? Quoi? Attends, il nous dépose à la maison alors qu'on a tué quelqu'un. L'épisode précédent, je m'avais fait guillotiner. Oula. C'était quoi ce signe de la main? C'était très bizarre. Ok. Bon bah on va enregistrer, sauvegarder. C'était hallucinant. Eh bien, les amis, je vous dis au revoir à tous, les Kaisers et les Kaiserines. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à commenter. Ah, voilà. Bon, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous dis au revoir et des bisous.